Je suis avec Thomas Rudigoz, le maire du 5e arrondissement et candidat pour La République En Marche dans la première circonscription du Rhône. Ce soir, vous arrivez largement en tête, à peu près 47% des voix, je crois, 46,5. J'imagine que vous êtes extrêmement satisfait. Oui, c'est une belle, un beau premier tour. Je suis très content et j'ai senti beaucoup de choses qui, pendant une campagne, on sent les choses. Hein. Je l'ai dit ce matin au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui était venu voter dans le 5e arrondissement, qui m'a demandé ce que je pensais. Je lui ai dit, écoute, on va faire un beau score. Voilà, après, entre dire faire un beau score, j'étais confiant d'être en tête et largement, mais je pensais pas atteindre un tel score. Donc c'est une vraie satisfaction. Ouais. Derrière vous, donc c'est le candidat à la France Insoumise, Elliott Aubin, qui fait à peu près 12% des voix. Et donc Anne Lin, la candidate, on a qualifié la candidate de la droite dure, hein, pour les Républicains, qui est éliminée. Comment vous voyez ça? On s'attendait plutôt à un duel en fait entre elle et vous, et finalement vous vous retrouvez face à un candidat de la France Insoumise. Est-ce que ça change vos plans, vous, pour le second tour, ou pas du tout? Non, après moi, honnêtement, moi j'ai toujours fait campagne, pas tant en me positionnant par rapport à mes concurrents, même si on en tient compte, mais avant tout j'ai toujours fait une campagne toujours à fond, enfin en m'engageant énormément, en étant sur le terrain, en allant voir les gens, en faisant le maximum, en donnant tout ce que j'ai pour ne pas regretter. Voilà. Donc après, que ce soit tel ou tel, ça ne change pas fondamentalement. Après, évidemment que je vais peut-être plus axer mon action en disant, tiens, Elliott Aubin, il a fait de très jolis scores là, pourquoi il a fait des beaux scores là, il faut aussi que j'aille voir ces électeurs-là pour leur parler, pour leur expliquer. Maintenant, je crois aussi que la dynamique, elle est pour nous. La dynamique, elle est pour Emmanuel Macron, elle est pour l'équipe En Marche. Et il faut que nos concitoyens, que les électrices et les électeurs de la première circonscription confirment leur premier vote pour donner une majorité à Emmanuel Macron. Et j'en suis sûr, ça va se passer comme cela. Maintenant, mon travail, c'est de continuer cette campagne, d'aller au plus proche de, certainement dans certains endroits peut-être où je n'ai pas été assez, pour expliquer mon projet, notre projet, et convaincre le plus grand nombre pour qu'on gagne largement la semaine prochaine. Vous quittez la mairie du 5e arrondissement si vous êtes élu député? Ah bah c'est la loi. Oui, c'est la loi, bien sûr, mais je veux dire, enfin, comment vous... Je quitte mon poste de... Comment ça va se passer? Je quitte mon poste de maire, oui. Voilà. Je reste conseiller municipal et je resterai ancré dans ce 5e arrondissement qui m'est si cher. Donc voilà, donc demain... Qui prendra la suite? Qui sera maire d'arrondissement dans le 5e? On va en parler bientôt avec mes collègues, on va attendre le deuxième tour. Voilà. Il est important de respecter aussi ce moment démocratique, et tant que je ne suis pas élu, moi j'ai des choses que j'ai en tête, bien évidemment. Donc après les élections, j'aurai l'occasion d'en parler avec l'ensemble de mes adjoints, d'en parler aussi... Vous avez une idée de qui prendra la suite quand même? Oui, j'ai une idée. Vous ne voulez pas la dire ce soir? Je ne vais pas la dire ce soir, mais bien sûr que j'ai une idée. Après je vais en parler aussi à Gérard Collomb. Je veux que les choses se passent parce que tout cela s'inscrit dans une majorité. C'est vraiment son rôle, Gérard Collomb. Il est ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Est-ce qu'il doit s'occuper de la tambouille interne à Lyon? Mais enfin, il a autre chose à penser, non, quand même? C'est pas de la tambouille, un arrondissement. Donc, il est important que Gérard Collomb, qui m'a fait confiance il y a 3 ans pour conduire la liste de l'arrondissement, soit au courant de ce que je souhaite faire. Mais je suis sûr que Gérard Collomb me fera confiance, et ça va pas durer très longtemps, ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc je pense qu'en quelques minutes, la chose avec lui sera réglée. Et après, écoutez, on fera une réunion du conseil d'arrondissement et il y aura un nouveau maire qui sera élu. Ma dernière question, le gros score que vous faites ce soir aurait sans doute pas eu lieu si Thierry Braillard s'était maintenu. Est-ce que vous remerciez Thierry Braillard ce soir de s'être retiré de cette campagne législative dans la première circonscription du Rhône? Je l'avais dit, j'ai déjà dit, je pense aussi avec vous, Antoine, ce qu'a fait Thierry Braillard, c'était pas facile comme choix à faire. Voilà, c'était pas, comme décision, elle n'était pas évidente. Donc j'avais salué sa décision, et encore ce soir, je la salue, parce que vous l'avez dit, si Thierry Braillard, député sortant, avait encore été candidat, certainement que la situation, le score n'aurait pas été aussi élevé. Je pense que mon score aurait été élevé parce qu'il n'y aurait eu qu'un seul candidat à La République En Marche. Il ne peut pas y avoir plusieurs candidats, ça aurait été moi. Donc je crois qu'on l'a vu ailleurs, où il y a eu des fois quelques contestations de personnes qui souhaitaient aussi avoir l'investiture. Nos concitoyens ne sont pas sots et savent reconnaître qui est le candidat officiel. Néanmoins, je crois que c'était une meilleure chose par rapport aussi à la majorité, puisque Thierry Braillard s'inscrit dans la majorité municipale, qu'on évite ce genre de division. Donc je reconnais encore une fois, je salue encore une fois son geste. Thomas Rudigoz, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci.